To stitch characters, use the N presser foot. Turn on the power. Press the character stitch key and select the desired character stitch. Let's stitch these characters. First, select 02 for B and press plus of the stitch width adjustment key to enter the desired number. Next, select 18 for R and enter the number. Select 15 for O and enter the number. Continue to enter all the character numbers in the same way. After entering all the character numbers, press plus or minus of the stitch length adjustment key to check the character numbers you have entered. You can also add characters after the characters you have entered. To add a character, select a character number and press plus on the stitch width adjustment key. To delete a character you have entered, press minus of the stitch width adjustment key. You can delete characters from the last ones. Set the fabric and start sewing. Finally, cut the crossover thread to finish character sewing. The set of characters you entered will be retained in the memory even if you turn off the power. Press minus on the stitch width adjustment key and delete the previously entered characters one by one before entering a new set of characters. Let's take a look at how to change the needle and clean the machine. Before replacing the needle, raise the needle by pressing the needle position button once or twice and turn off the power. Lower the presser foot. Hold the needle with your left hand. Loosen the needle clamp screw with the accessory screwdriver in your right hand and remove the needle. With the flat side of the new needle toward the rear of the machine, insert the needle until it touches the needle stopper. Hold the needle with your left hand and secure the needle clamp screw with the screwdriver. Make sure to turn off the power before cleaning the machine. Remove the presser foot, needle, and presser foot holder. Slide the needle plate cover, release on the upper left of the cover toward you to remove the needle plate cover. Grasp the bobbin case and pull it out. Use the accessory cleaning brush or vacuum cleaner to remove any dust from the race and its surrounding area. Return the bobbin case to its original position. Make sure that the projection of the bobbin case and the tension adjusting spring of the race are aligned.
The Brother computerized sewing machine is designed with diverse useful functions. We hope you will enjoy sewing handmade pieces with your machine. Bienvenue dans l'univers des machines à coudre Brother. Dans ce DVD, nous vous proposons une description générale du fonctionnement de la machine, parallèlement aux instructions du mode d'emploi. Veuillez noter que certaines descriptions ne s'appliqueront pas forcément au modèle de votre machine. Maintenant, préparons la machine. Branchez le câble d'alimentation dans la prise qui se trouve sur le côté droit de la machine. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise de courant murale. Puis branchez la pédale du rhéostat. Introduisez la prise de la pédale du rhéostat dans sa prise située à l'arrière de la machine. La lampe et l'écran s'allument automatiquement lors de la mise sous tension. Observons maintenant comment mettre en place la canette. N'utilisez que la canette qui a été conçue pour cette machine. L'utilisation d'autres canettes peut entraîner des blessures ou endommager la machine. Appuyez sur le levier du porte-bobine, puis enlevez le couvercle de bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil sous le guide-fil. Puis passez le fil sous le couvercle du guide-fil de l'arrière vers l'avant. Passez le fil sous le crochet du guide-fil du bobineur de canette, puis bobinez le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, entre les disques de prétension, en le tirant au maximum. Mettez sous tension, puis placez la canette sur l'axe du bobineur de sorte que le ressort sur l'axe se place dans l'encoche de la canette. Faites glisser l'axe du bobineur vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Tirez le fil d'entre les disques de prétention vers la droite, enroulez-le plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette et passez-le dans la fente de la base du bobineur afin de le couper. Glissez la manette de réglage de la vitesse vers la droite. Puis, mettez en marche et enroulez le fil en appuyant à fond sur la pédale. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Levez le pied de la pédale pour arrêter la machine. Si vous utilisez l'interrupteur marche-arrêt, déplacez la commande de vitesse vers la droite. Mettez sous tension et actionnez l'interrupteur marche-arrêt une fois pour démarrer le bobinage de la canette. Lorsque la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour arrêter la machine. Coupez le fil avec des ciseaux, faites glisser vers la gauche l'axe du bobineur de la canette et retirez la canette. Replacez la commande de vitesse dans sa position initiale. Avant la mise en place du fil intérieur,
Appuyez sur la touche de position de l'aiguille une ou deux fois pour relever l'aiguille. Relevez le levier du pied de biche, puis mettez la machine hors tension. Faites glisser le bouton d'ouverture du compartiment à canette et retirez le couvercle. Tout en retenant l'extrémité du fil de la main gauche, insérez la canette de la main droite de façon que le fil sorte du côté gauche. Maintenez délicatement la canette en vous assurant qu'elle pivote dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous tirez sur le fil. De la main gauche, guidez le fil par la fente, tirez et coupez le bout du fil à l'aide du coupe-fil. Assurez-vous que le fil est bien inséré dans le ressort de réglage de la tension du boîtier de la canette. Reposez le couvercle de la canette. Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de la machine. Mettez sous tension et relevez le levier du pied de biche. Appuyez sur la touche positionnement aiguille une ou deux fois pour relever l'aiguille, puis mettez hors tension. Appuyez sur le levier du porte-bobine, puis enlevez le couvercle de bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil sous le guide-fil, puis passez le fil sous le couvercle du guide-fil de l'arrière vers l'avant. Maintenez le fil à l'aide de la main droite et de la gauche. Faites passer le fil le long du guide-fil en suivant l'ordre des numéros. Assurez-vous de bien passer le fil par le releveur de fil de la droite vers la gauche. Tenez le fil de la main gauche et de la main droite, faites-le passer par le guide de l'enfileur d'aiguille. Abaissez le pied de biche. En abaissant légèrement le levier de l'enfileur d'aiguille, accrochez le fil au guide. Tournez complètement le levier de l'enfileur d'aiguille. Le crochet passe par le chat de l'aiguille. Attrapez le fil sur le crochet. Abaissez doucement le levier d'enfilage de l'aiguille à sa place et le crochet tirera le fil à travers le chat de l'aiguille. Amenez l'extrémité du fil du chat de l'aiguille sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de fil à travers l'aiguille vers l'arrière de la machine à coudre. L'enfilage supérieur est maintenant achevé. Maintenant, commençons à coudre. Appuyez sur l'interrupteur principal. Pour les modèles dotés de la touche utilitaire de point, assurez-vous que la lampe soit allumée. Appuyez sur les touches du sélecteur de modèle de point sous l'écran LCD. Appuyez sur les touches plus ou moins pour sélectionner le numéro du point que vous voulez utiliser. Appuyez sur les touches de droite pour faire défiler les chiffres à droite. Appuyez sur les touches de gauche pour les chiffres de gauche. Le numéro de point indique quel pied de biche doit être utilisé. Dans ce cas, utilisez le pied de biche J. Soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille et soulevez le pied de biche pour placer le tissu.
faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. En tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu au point de départ de la couture, puis abaissez le levier du pied de biche. En cousant le tissu, réglez la vitesse à l'aide de la pédale. Une fois la couture terminée, levez le pied de la pédale pour arrêter la machine et soulevez l'aiguille en appuyant sur la touche de positionnement de l'aiguille. Lorsque vous cousez en utilisant le bouton marche arrêt, réglez la vitesse avec la manette de réglage de la vitesse, puis appuyez une fois sur le bouton marche arrêt pour commencer à coudre. Une fois que vous avez terminé la couture, arrêtez la machine en appuyant sur la touche marche arrêt. Appuyez sur la touche de positionnement de l'aiguille afin de soulever l'aiguille. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu et coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil se trouvant sur le côté gauche de la machine. Essayons maintenant le point de recul. Abaissez l'aiguille pour qu'elle s'enfonce dans le tissu à l'endroit où vous désirez effectuer le point de recul et abaissez le pied de biche. Démarrez doucement la machine et après avoir cousu 3 à 5 points, arrêtez la machine. Appuyez sur le bouton point inverse renfort et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Une fois revenu au point de départ, enlevez le doigt du bouton, point inverse renfort, et continuez à coudre de nouveau vers l'avant. Vous pouvez coudre en marche arrière pour effectuer un point de renfort, aussi bien en fin de couture qu'en début, en stoppant la machine et en appuyant sur le bouton, point inverse renfort. Voyons maintenant comment ajuster la longueur et la largeur des points. Vous pouvez régler la longueur d'un point en fonction des besoins. Effectuez les réglages en appuyant sur plus ou moins sur la touche de réglage de la longueur de point. Vous pouvez aussi régler la largeur du point des points pré-réglés. Effectuez les réglages en appuyant sur plus ou moins sur la touche de réglage de la largeur de point. Une fois les réglages effectués, tournez doucement le volant vers vous et assurez-vous que l'aiguille ne touche pas le pied de biche. Vérifions maintenant la tension des fils. Cette machine vous permet de coudre différents types de tissus avec une tension de fil optimale. La tension du fil varie selon le type de tissu ou de fil. Faites-vous la main sur un morceau de tissu que vous comptez utiliser et essayez de régler la tension du fil. Maintenant, remplaçons le pied de biche. Veuillez utiliser le pied de biche correct pour le modèle du point que vous avez choisi.